Alors, j'ai 13 ans, j'habite à Ville-d'Angis et je suis au collège Jean-Rostand, 4e. Et je suis là pour aider les gens au projet 2 pieds, 4 roues, 4 paquets. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 14 ans, je suis aussi au collège de La Machine. J'habite à La Machine et je vais vous présenter ce projet 2 pieds, 4 roues, 4 fois 4. Bonjour, je m'appelle Erwan, je suis dans le même collège que Kaifer et Romain. Je fais aussi partie du projet 2 pieds, 4 roues, 4 fois 4 qu'on fait dans le cadre du club cinéma. Donc j'ai un petit peu vous parler du club cinéma parce que je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est. Donc le club cinéma existe depuis 6 ans. C'est une activité extrascolaire qu'on fait en dehors des heures de cours après la cantine. Tous les élèves sont volontaires, ils arrivent en début d'année avec des costumes, des idées, des décors. Toutes les scènes sont tirées de films déjà existants. Par exemple, l'an dernier, on a fait un film qui s'appelait C'est ta fête Patrick. Les scènes étaient tirées de Bienvenue chez les Ch'tis et La Grande Vadrouille. Sinon, ce sont des petits sketchs qui sont tirés de Kaamelott ou Caméra Café. Donc voilà. Et donc, l'an dernier, on était allé tourner un spot préventif sur l'alcool, sur les dangers de l'alcool, au foyer des Marizys, qui est un foyer de personnes atteintes d'un handicap. Et donc, parce que, voilà. Et donc, dans le cadre du CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et donc, cette année, on a voulu continuer à faire des sketchs avec des handicapés. Alors, Romain va vous parler un petit peu du foyer des Marizys. Donc, oui, on a été filmé un spot de prévention sur l'alcool l'année dernière. Et c'était une réunion d'alcooliques anonymes et à cause de ça, on avait une personne qui a eu un accident et qui était devenue handicapée. Donc on a eu besoin d'un fauteuil, donc c'est ce qui nous a permis d'aller filmer au foyer d'handicapés. Et on aurait bien aimé cette année continuer à travailler avec eux. Donc c'est pour ça et après personnellement j'ai des avantages. Ma mère travaille là-bas, elle est cuisinière, donc je les connais, je les vois souvent, je joue au foot avec quelques-uns et tout ça. Donc voilà, et c'est pour ça que j'aimerais bien travailler avec eux cette année. Il y a des routes aussi à La Machine qui partent du foyer de Marizys jusqu'au bourg, là où il y a les commerces, pour que les résidents se promènent, aller faire leurs courses, etc. Donc les gens les voient, ils les fréquentent beaucoup, mais ils leur disent pas bonjour. Alors ils se posent quelques questions, ils se demandent pourquoi, ils aimeraient bien qu'on leur parle, donc c'est pour ça qu'on va essayer de résoudre ce problème. Donc Kaifer va vous parler un peu du titre. L'origine du titre, je vais vous expliquer ce qu'est le titre. Deux pieds, quatre roues, quatre roues, pas quatre. Deux pieds, c'est nous, les élèves. Quatre roues, c'est les personnes atteintes d'un handicap, un fauteuil. Et quatre roues, pas quatre, en fait, c'est tenir le cap, capable ou pas capable, ou un genou avec handicap. Le projet consiste à recueillir des anecdotes qu'on nous a racontées. Et derrière chaque sketch qu'on fera, il y aura des bruitages pour ceux qui ont soit du mal à s'exprimer ou qui ne savent pas parler. On va vous montrer des exemples en ce moment. Donc déjà on va écrire des sketchs avec des fonds musicaux, des instruments simples, C'est un beau drame, c'est irlandais, c'est comme ça. C'est une cloche, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est simple, c'est... Tous les sketchs qu'on aura écrits sera mis en spectacle devant les gens de La Machine. Et après, tout sera remis sur DVD, notre rencontre, nos rencontres, les sketchs, tout ça. L'ensemble du projet, en gros, du début de la première rencontre à la fin. Donc, on va vous présenter un petit peu les résidents qui sont tous en fauteuil, à part Jacquia. Donc, les noms, il y a Lucette, Sébastien, Aurélien, Evana, Julie, Gérard, qu'on n'a pas vu lors de la première rencontre. Et je crois que j'ai tout. Et
Et puis, bah, c'est tout. Émilie et Isabelle, donc si vous voulez voir, bah, on a fait déjà les photos. On va peut-être vous donner des exemples d'anecdotes. Donc, par exemple, Evana va au supermarché avec son accompagnatrice qui s'appelle Danielle. Et, elle rencontre une personne et elle lui demande bah, s'ils étaient la machine. Son accompagnatrice dit oui, mais Evana, elle s'est posé quelques questions parce qu'elle leur demandait. Elle se demandait pourquoi ils ne leur parlaient pas, pourquoi ils ne lui demandaient pas. Donc c'est pour ça bah, qu'ils aimeraient bien qu'on leur parle et bah, qu'on se rapproche plus d'eux. Je vais vous dire un autre exemple. Par exemple, Sébastien, qui était allé à un festival à Nevers avec des amis à lui. Et un jeune adolescent lui a mis des coups de pied dans leur fauteuil en disant qu'ils n'avaient rien à faire là. Et donc il a dit, je les ai coursés. Bah, ça nous a un petit peu fait rire parce qu'il y a un fauteuil roulant. Sinon, au KFR, on vous en dira d'autres. Zaka, à la fête de la musique, Zaka arrive à tenir debout, mais pas trop longtemps. Alors pendant la fête de la musique, vu qu'elle adore danser, elle dansait, et il y a une personne qui lui a piqué sa chaise. La personne ne voulait pas lui rendre, alors elle a été chercher son accompagnateur. Et la personne n'a toujours pas voulu lui rendre. C'est lorsque l'accompagnateur a dit qu'elle pouvait avoir une amende qu'elle lui a rendu la chaise. Donc on va vous montrer peut-être un petit exemple de sketch qu'on a fait. Donc là on est dans une boulangerie. Moi je suis le boulanger, Califeur va passer un handicapé et Romain il va faire la voix off. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Le tutoiement, on l'utilise pour un enfant. Qui veut jouer avec moi? Pour un ami intime. Eh, hey, salut les grands. Pour un mari. Eh, hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et là, c'est Sébastien, 23 ans, passionné de moto. Et c'est mon copain. Donc, le sketch n'est pas encore tout à parce qu'il manque les vêtements du boulanger. Bah, le décor et pour ça de trouver un moyen. En fait, on va prendre un carton qu'on mettra à l'arrière, là ça fera et qu'on pourra déplacer comme on veut. Il manque aussi des bruitages pour chaque phase. Par exemple, pour l'enfant, des bruits de crèche, pour le mari, pour le copain, un bar, des trucs comme ça. Pour le mari, des bruits de cuisine, d'eau qui bout, des casseroles. Ouais. Donc sur le DVD, il y aura les deux différentes rencontres, celle qu'on a fait au collège et celle d'aujourd'hui. Et puis bah, toutes les autres qu'on fera dans les jours qui viennent. Et on fera un spectacle à la salle des fêtes. Et pour le spectacle, il nous faudra des micros serre-tête pour se déplacer, pour entendre mieux, des fonds sonores, bah, plein de choses du genre. Donc pour le spectacle, bah, nous aurons des micros serre-tête parce qu'il y en a, je pense, parmi vous qui ne peuvent pas tenir un micro. On aura besoin de costumes, on aura besoin d'instruments simples, etc. Et bah, nous allons donc jouer des sketchs bah, à la salle des fêtes. Donc Erwan va vous parler un petit peu de ce qu'on va faire du DVD. Donc une fois le DVD réalisé, on va essayer de le vendre aux habitants de la commune qui vont venir vous voir. Il y aura un bon de commande disponible lors du spectacle. Ensuite, on va le vendre aux écoles, aux collèges, aux lycées, pour qu'ils puissent sensibiliser leurs élèves. On propose à France 3. Et sinon, on a fait un site qui s'appelle capoupacap.jimbo.com. Et c'est sur ce site-là qu'on met tout ce qu'on a déjà fait. Par exemple, la première rencontre, au dernier sketch, c'est là où on a tout mis en fait. Donc le bénéfice de la vente du DVD sera reversé au profit de l'association des résidents des Marizy. Non, les amis des Marizy. Les amis des Marizy. Donc, KFR, on va vous parler. Nous sommes fiers de ce projet et très enthousiastes. Mais la question que nous nous posons, c'est réussira-t-on à changer les mentalités des gens? Ça, on ne le sait pas. Mais moi, en tout cas, je pense que ça sera une bonne expérience à vivre. Moi aussi.